Alors, bonjour à tous et merci d'être là, de plus en plus fidèles et nombreux. Heureux de vous retrouver en ce vendredi. Ça y est, les amis, c'est vendredi. Pour ceux qui ont congé le week-end, bon week-end. C'est le 8 novembre 2019. fait à peu près moins 10 ici. 8 novembre à Sainte-Marthe sur le lac. Donc, rassurez-vous, les, les hystériques, climato-alarmistes, tout est normal, même plus que normal. L'hiver est déjà arrivé. pour est au mois de novembre. Ceci étant dit, beaucoup, beaucoup d'activités. D'ailleurs, on est le 8 novembre, 9h37 heure du Québec. Merci à vous tous d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Beaucoup d'activités sismiques. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Les nouvelles, les dépêches sur les tremblements de terre des dernières heures. Il y avait un trou coronal dans le soleil, juste pour vous donner une idée. Donc, des vents solaires qui sont sans être une tempête euh, géomagnétique. Beaucoup de vents solaires remplis d'électrons, neutrons, avec une vraiment. Euh, on le voit, hein, euh, des vents qui étaient à une vitesse extrême, qui ont tout, atteint la Terre et qui ont et, probablement, effectivement, provoqué tous ces euh, tremblements de terre-là. En Iran, tremblements de terre, on nous dit, selon euh, Marc et Marc-Anne, ou Anne-Marc-Anne, marc, euh, marc, euh, Anne -Marc <laughs> euh, Sarah, qui témoigne, très effrayant et puissant, à droite, lorsque les gens dormaient, euh, S'il avait continué à son apogée pendant une minute, il aurait été dévastateur pour les bâtiments les plus anciens. Donc, tremblement de terre de 6 en Iran. On sait que c'est une région euh, sismique importante hein, et qu'elle est en plus très vulnérable à, euh, à toute cette euh, activité sismique due à la, souvent hein, à ces euh, plus vieux bâtiments. Hein. Donc, six euh, tremblements de terre quand même assez majeur. Et ça nous amène, je pense, qu'il y a un, déjà un, un bilan qui a été fait là. Je vais essayer de vous le trouver. Euh, je pense que j'ai vu quelque chose. Ensuite, aux îles Fidji, on a un de 6.5. L'Iran déjà cinq morts. Euh, puis il y en a eu d'autres à au Tonga. Il y en a eu deux autres aussi euh, assez importants. Euh, donc on aurait déjà un bilan. Hein. Iran, puissant, euh, séisme. Donc j'ai trouvé l'autre lien de Dan qui nous a envoyé ce, cette information-là. Un séisme fait cinq morts et plus de 300 blessés dans le nord du pays. Donc euh, le bilan est d'aujourd'hui. Il y a quelques heures, le tremblement de terre a également provoqué la destruction de 30 maisons, a euh, indiqué le gouvernement de la province d'Azerbaïdjan oriental. Cinq personnes ont été tuées et plus de 300 personnes blessées par un séisme ayant frappé le nord-ouest de l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, selon des informations de la télévision d'État iranienne qui a diffusé des, ima des images de maisons effondrées ou endommagées dans la région, semblant témoigner de dégâts matériels relativement limités. Les secousses n'ont pas fait de dégâts importants, apparemment, dans l'épicentre, mais il y a quand même eu des dégâts matériels euh, et. Euh, L'Iran est traversé par plusieurs failles, hein, on le sait. Le dernier séisme majeur remonte au, à novembre 2017, un tremblement de terre de magnitude 7.3 dans la, provi la province de Kermans euh, Kermanshah, euh, qui avait fait 620 morts, et en 2003, un autre qui avait fait 31 000, euh, euh, provoqué 31 000 décès, 31 000 victimes. Donc, un tremblement de terre, hein, cinq morts quand même, ce n'est pas négligeable. Et euh, attendez-vous à d'autres activité sismique avec euh, ce trou coronal qui faisait face à la Terre euh, il y a à peu près 48 ans. Donc je vous reviens avec d'autres nouvelles.